Bisous, maman. Qui c'est qui va aller à la fête? June, elle est pas là. June, elle est à la colonie aujourd'hui. Qui c'est qui va aller à la sieste faire dodo? C'est Maïlon. Ouais, rigole. Bon, j'ai fait toute la maison. Mon fils a dû jeter sa deuxième basket dans la poubelle. En fait, la dernière fois, j'ai vu une sucette aussi. Il a jeté une sucette. Des fois, je trouve des trucs dans la poubelle. Ouais, ici, il jette. Et du coup, je pense qu'il a jeté sa basket et qu'on s'est pas aperçu. Tant pis. Bon, ça y est, je suis trop contente. Je viens de recevoir mon tapis. Voilà, donc j'ai fait mettre un tapis. C'est toujours la même marque que je prends. C'est des tapis qui sont faits à la main, je les adore, ils sont trop beaux. Voilà, très contente de mon tapis. Ça change. Il faut juste que je change les tables et les meubles. Regardez qui on a retrouvé. Mon deuxième fils. Tu en as un, maintenant tu en as un deuxième. Voilà. C'est bébé. Tu veux mon petit frère? Tu lui fais peur avec tes cheveux roses. On est venu jouer un petit peu pour Maïlon. Ça le sort un petit peu. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais à Dubaï? Je sais pas, je suis en vacances un petit peu. Je me fais des vacances à après cette très grosse aventure. Je pense qu'il est temps de quand même de se faire des vacances. Ouais, mais du coup, c'est plus les vacances pour nous si toi t'es là. Pourquoi, bébé? Comme elle est méchante. Arrête, tu es la plus heureuse que je sois là. Tu es pas la plus heureuse? Non, je suis contente de ça. Ne me chante pas parce que je vais taper tous les jours à la maison. C'est Dieu qui donne, mon bébé. Oh, depuis hier, il harcèle Thibaut. C'est bon. Mais ouais, je suis tout seul, donc j'harcèle Thibaut. Ah, tu peux venir quand tu veux. Merci, bébé. Je dis pas deux fois. Oh, mais pleure pas. Tiens, prends la balle avec toi. Tiens. Allez! Oh là là, il kiffe pas aujourd'hui, il est pas content. Bye bye! La bébelle! Le bébel! Ils vont tourner dans le truc de gravité là. Moi je reste avec Maïlon, on fait la voiture. C'est classe. Ils ont peur. Ils savent pas comment se mettre. Ils crient. Qu'est-ce qu'il fait, papa et tonton bébé? Ils sont fous, ceux-là. Bon, du coup, on est au golf, voilà. Trop beau. Magnifique. Golf comme ça dans les buildings. Les garçons, ils sont là-bas. On n'a pas le droit d'être tous ensemble, c'est relou par contre. Stéphanie qui nous donne des cours. Allez, vas-y, Stéphanie, montre-nous. Ouais, première balle eue quand même. Hein. Wow, ouais. Bon, Stéphanie première, Maggie deuxième, Jessica troisième, voilà. Et là-bas, ça se passe comment? Là-bas, on va voir. Donc, voilà, Flo, Thibaut, Benji, Théo. Voilà, ça donne ça. Théo, il est claqué au sol. Enfin, même moi, j'ai 16 points. Même moi, j'ai 16 points. Non, viens. Allez, je vais te voir. Viens. Vas-y, je vais te voir. Viens, viens. Non, mais je veux te voir si d'abord. Non, tu vas voir mon tableau. Vas-y, regarde. Comment elle a fait pour mettre sa soin? Parce que, en fait, quand tu... Non, j'ai pas triché.
quand tu tires directement dans le rouge au milieu, direct le petit là, point, 6 points. Donc tu es vraiment, tu peux, tu peux dire je m'appelle Théo Sojou, je suis ta repère René, je suis le plus nul. Tu peux le dire. Parce que quand il revanche, c'est moi qui vais gagner. Bon, en tout cas, c'est trop chouette. Franchement, on se régale. Petit golf comme ça dans les buildings, c'est vraiment chouette. C'est une trop bonne invention. Bon, je t'arpène nul, hein. À mon avis, il va falloir que je prenne des cours. Et encore, je crois quand même des cours. C'est pas un sport fait pour moi, je suis pas bonne. Mais on se régale, c'est trop bien. Vraiment. Trop beau. Mais. Allez, montre-nous. Oui. Ah oui, ben oui. Non, mais casse. Casse le. Ah non. Ici toutes ces balles hein. Ah ouais encore, mais c'est incroyable. Non mais c'est pas possible. Voilà, voilà, voilà. Allez vas-y. Bah je l'ai perdu. Chérie, est-ce que t'es content qu'on s'aime, qu'on soit marié hein? Non là franchement je regrette mon mariage. Je me demande pourquoi je me suis engagé. Ah ouais? Bah ouais. Carrément? Bah tu me fais vivre un cauchemar. Ah tu viens d'enfer genre? Un enfer. Un cauchemar? Un enfer. Genre vraiment? J'ai failli craquer tout à l'heure, vraiment j'ai failli pleurer et tout. Ah bon? Ah j'ai ma parole. Non mais là t'abuses. Je te jure sur la tête de ma mère. C'est peut-être les hormones qui sont enceintes. Non non, sur la tête de ma mère que j'ai failli craquer. J'ai failli pleurer tout à l'heure. T'abuses. Toujours plus. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vent. En ce moment j'ai les coucougnettes à l'envers. Ouais, tu me tues. En fait, elle me supporte plus et le problème, c'est que je lui parle, elle s'en fout. Je lui parle, elle m'envoie chier, je lui parle. Enfin, il n'y a aucun intérêt de discussion avec elle. Et franchement, je le vis très mal. Mais non, mon amour, ça va aller. Je vais faire des efforts. Mais je vais faire. Oh, mise à part qui m'aime plus. Mise à part qui m'aime plus. Non, c'est pas que je t'aime plus, c'est toi qui m'aime plus en fait. Ouais. C'est pas moi, c'est les hormones. Ouais, les hormones. C'est pas ma faute. Donc, mise à part ça, on a passé une trop bonne soirée, on s'est régalé, franchement. On s'est trop bien amusé. À la fin, j'arrivais quand même à faire des 58 points et tout. Hein. C'est bien, hein? C'est le top. Tu t'en fous? Non, non, je suis fier de toi. Merci. Vous m'avez appris un truc de fou, c'est que quand on est enceinte, les cils tiennent pas, les faux ongles non plus. Je sais pas pourquoi, mais on m'a dit ça. Et j'ai tellement de messages qui m'ont dit la même chose que du coup, bah, je vous crois, parce qu'il y en a eu trop. Donc, je savais pas, donc voilà pourquoi j'ai perdu le 3/4 de mes cils en une semaine. Ma foi, du coup, je sais pas si je vais les refaire, parce que franchement, y aller toutes les semaines, ça me gâte.